Yahoo Ubuntu, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'immense joie pour une maxi ouverture de colis Boss Love. Alors cette fois-ci, par contre, je tiens à préciser que ce n'est pas une collab, hélas. Je suis toujours pas en collab avec Boss Love, alors que ça fait un an que j'ai fait ma demande, presque. Ah non, plusieurs mois, parce que j'ai envoyé mon mail de demande en août, j'ai toujours pas eu ma réponse. Toujours est-il, on se retrouve donc là, c'est un achat, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos collab, mais là, c'est un achat, j'ai craqué. Alors, il faut savoir qu'en janvier, il y a eu des sorties, du coup, par le site Boss Love, sauf qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, et donc, je n'avais rien commandé. Et je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il est sorti de mars, et en mars, je ferai donc une commande en fusionnant les sorties de mars et les sorties de janvier. Plus, il y a eu un manga où je me suis fait un petit plaisir, c'est tout simplement que j'ai complété une série où j'ai quelques volumes, mais pas toute la collection. Donc, oui, ça a coupé. Il est plus gros le colis que d'habitude, ça fait bizarre. Donc, on a une fois de plus, je te montre comment c'est envoyé. Là, comme ça, tu vois aussi version gros format et pas le petit colis habituel. J'arrive même pas à l'enlever. C'est trop large en fait pour ma main, regarde, je peux pas. Ah, il y a la facture avec. Donc c'est parti, je crois que j'ai acheté 7 mangas, on va compter ça ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon bah il y en a 6, je croyais que 7, mais je crois qu'il y en a un, j'ai annulé à la dernière minute, ouais c'est ça. Donc c'est parti, on a comment défier le destin. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est la suite du manga Le Fil Rouge, le fil du destin, je sais plus comment ça s'appelait, que je t'avais présenté il n'y a pas spécialement longtemps. Il me semble que c'est la suite et que c'est... Voilà, parce que le titre et le coup du fil, c'est exactement pareil. Donc, ben voilà, en ce qui concerne celui-ci, j'ai très très hâte du coup de le lire. Alors, on va essayer de pas aller trop loin. Plus je me rapproche, plus je me dis merde. Allez, hop, cette page-là est trop belle. Voilà. La qualité de dessin est vraiment sympa, mais bon, si j'avais déjà lu l'autre. Voilà. Ensuite, on continue avec Je préfère en nature. Voilà, le titre et le résumé m'avaient plutôt pas mal intéressé. Alors, ce qui est bien, c'est que, regarde, là, t'as l'image et après, t'as la suite. Je trouve ça marrant. Et. La qualité de dessin est plutôt sympa parce que bon, la couverture, je m'en méfiais, genre, tu sais, refait par quelqu'un d'autre ou un truc comme ça. Ça arrive assez souvent. Oh, j'adore, il est trop beau. Le gars aux cheveux noirs, je le trouve trop beau. Ah, par contre, c'est du 16+, ça, celui-là. Certes, je pense que c'était plus du 14 ans, là, c'est du 16. Hein. Si on veut le titre... On va éviter la vulgarité pour ce que je vais montrer. On va montrer ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris L'Étoile de l'Amour. Un gars qui avait l'air sympa avec un policier. J'aime bien la mamie. Ensuite, celui-là, je vais le garder pour la fin. On continue avec Love Virgin. Alors ça, je sais très bien que déjà que YouTube va me démonétiser juste pour le titre. Quand je ferai la vidéo. Lui, par contre, c'est du 16+, hein. C'est pas... Voilà. Ah, c'est du 16+, je vous le dis. Pour ce qui est de ce titre,
a presque terminé parce que l'autre, il compte pas vraiment, mais Love Nest. Nest. Crayon, enfin un dessin assez simple je trouve, mais pas dérangeant. Alors ça c'est un tome 1, donc il y aura une suite, mais je crois que la série est terminée en 2 tomes, c'est pour ça que j'ai dû le prendre. Mais voilà, ça ne me dérange pas du tout d'avoir acheté un tome 1. Voilà. Et donc pour terminer, j'ai acheté en fait le tome 2 de Like the Best. C'est une série où je t'ai fait une critique tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai donc les tomes 1 et 2 et j'ai les tomes 11 et 12 parce que j'avais pris une fois pour un seul mois l'abonnement de Boys Love et donc il y avait tomes 11 et 12 dans l'abonnement et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter le tome 1 et donc là j'ai pris le tome 2. Prochainement je vais pouvoir m'acheter au moins les 3 prochains tomes. La prochaine commande en fait quand ils sortiront donc leur manga en avril... En mai, je pourrais m'acheter sûrement les 3 encore prochains volumes. Donc ça risque d'être plutôt intéressant parce que je vais plus ou moins rattraper quand même mon retard. Pour la qualité de dessin, je vais te montrer vite fait. C'est un mangaka par contre qui a beaucoup d'œuvres de disponibles en France. Ça, vraiment l'auteur a beaucoup d'œuvres. Et c'est justement pour ça que j'avais voulu lire la série. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets ici mes 2 précédentes vidéos des éditions Boys Love en recommandation. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted si jamais tu n'es toujours pas abonné aussi au compte Vinted. Ça te permet de louper aucune vente. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye.